Sachant que cette chose-là, si tu ne les prends pas au sérieux, on a fini, toi tu peux pas faire le contraire. Sache que même si Moïse apparaît ici, il pose les mains sur toi, rien ne va aller. Cette chose que nous devons savoir sur les réactions du diable face à nos actions. Vaut mieux écouter bien, le diable a toujours des réactions en nous, en tant que chrétiens, nous agissons. Les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas les humeurs du diable, ils ne savent pas son comportement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il fait. Donc tout le monde parle de Satan, du diable et tout. Si tu ne le connais pas, comment tu vas donc te contenir, te tenir devant lui? Il ne s'agit pas d'insulter le diable, ça ne lui dit rien, il est diable déjà. Il ne s'agit pas de parler mal de lui. Ça ne lui dit rien. Il faut que tu saches que ce que toi tu fais là, quelle est sa réaction face à ce que toi tu fais, ce que toi tu dis. Si tu connais ça, ça va t'aider. Donc hier, j'étais là méditant et puis après les choses sont venues, j'ai commencé à écrire. Dans mon carnet, j'ai commencé à écrire. Ce matin, j'ai repris ça. Donc en tableau, j'ai regardé. Il dit, je vais vous donner ça pour que vous réfléchissiez, vous méditez dessus. Donc, on va voir la première chose. Le diable rit quand nous sommes préoccupés par nos soucis et occupés à les réaliser par nos propres forces. Il aime ça. Ah, lui et son conseil, il rit seulement. Il est content. Parce qu'il sait que cet homme ou cette femme-là va s'épuiser, n'arrivera pas à son but. Je reprends. Le diable, pour prendre les verbes là, le diable rit. Ici, on commence par le verbe rire. Il rit. Quand nous sommes préoccupés par nos soucis, préoccupés et occupés à les réaliser par nos propres forces, il sait qu'on n'arrivera pas. Il est à l'aise, il rit. Tu vois, le mot est fort, il rit. Deuxième élément, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le diable sourit. Il rit. Maintenant, il sourit. Quand il nous voit faire nos propres plans, sans tenir compte de la volonté de Dieu, écoute-moi, il rit d'abord. Parce que tu as des soucis, il te bat. Mais, à un moment donné, tu commences à dire, ah, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tout ça, c'est toujours toi qui décides. Tu fais des plans, tu as des projets. Il s'arrête de rire, mais il sourit. Il sait que tu n'es pas dans la volonté de Dieu encore. Il sourit, simplement. Tu vois, il rit, il sourit. Le même verbe, avec un composé, il sourit. Parce qu'il se pose la question, si tu vas continuer, dans quelle direction tu vas continuer? Tu comprends? Écoute-moi très bien, hein? Ce sont ces choses qui bloquent. Ce n'est pas la prière, non. Ce sont ces choses-là. Quand il rit, il va te laisser dans la confusion. Quand il sourit, il va tout faire pour que ton plan-là ne s'accomplisse pas. Mais s'il voit que tu avances, s'il voit que tu progresses, tu vas arriver, toi-même, tu vas dire, ah, j'ai fait les plans-là, ça ne va pas. Tu commences à demander à Dieu quel est son plan pour ta vie. On arrive au troisième point. Le diable reste silencieux quand il nous voit commencer à méditer sérieusement la parole de Dieu. Il ne rit plus, il ne sourit plus. Quand il voit un chrétien prendre la Bible, s'asseoir régulièrement, comme Dieu a dit à Josué, il dit, médite cette parole-là, jour et nuit. La parole ne s'éloigne pas de tes yeux, ni de ta bouche, afin que tu réussisses. Le diable reste silencieux, parce qu'il voit que tu as pris la route du succès. Puisque Dieu dit que la méditation de la parole, donc, va t'amener donc, vers le succès. Ça, c'est Josué 1, verset 7 jusqu'au verset 9. Ah, il reste silencieux. Maintenant, il est en train de comprendre quelque chose. S'il prend la Bible là, si on n'arrive pas à enlever la Bible de sa main, et c'est pourquoi, quand tu finis là, tu vas poser ta Bible jusqu'au dimanche prochain. Il reste silencieux et te regarde. Tu ne lis que ta Bible quand tu viens à l'église. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Le diable reste silencieux pour t'observer et te regarde. Où tu vas aller. Et quand il regarde, il attend que tu fasses la quatrième chose. Si tu fais ça, il devient nerveux quand nous commençons à obéir à Dieu et à sa parole. Le diable devient nerveux. Il a commencé par rire, sourire, silencieux. Maintenant, tu as commencé non seulement à méditer, à obéir. Or, avant, tu n'obéissais pas. Tu n'obéissais pas, tu faisais des choses, ça ne l'intéresse pas. Maintenant, tu médites et
tu obéis. Donc il sait que tu as pris le chemin du succès. Alors en ce moment-là, il devient nerveux. Tu vois, il quitte tout ce qui était chaud, il devient nerveux. Parce qu'il se pose la question, si tu vas continuer ça, si tu vas aller de l'avant, progresser, parce que tu es arrivé à un point, il te reste trois points où tu vas le mettre KO et il va tout faire pour arrêter l'obéissance. Il va mettre des bâtons dans tes roues, il va amener des projets bizarres, il va te faire t'en prendre à un frère dans l'animosité, dans la haine, pour tout ça, pour t'empêcher de continuer à méditer et à obéir. Il va te bloquer ici, là. Lui, il est nerveux. Mais toi aussi, tu es bloqué. Il va t'empêcher, mon frère, si tu n'es pas positif, de progresser. Mais si tu es positif pour progresser, alors quelque chose va se passer. Tu commences à percer. Parce que la parole de Dieu, l'obéissance, la parole de Dieu va déclencher la foi, va déclencher l'amour, va déclencher l'autorité. C'est pourquoi il est nerveux. C'est pourquoi il sait que tu commences à savoir comment le vaincre, comment exercer ton autorité. Il commence à le savoir. Tu vois, les gens s'en vont prier. Le diable prie. Allez, oh, ça. Tant que tu n'es pas dans ces choses-là, ça ne t'intéresse pas. Alors, quand tu commences à obéir à Dieu, le Saint-Esprit est aussi avec toi. Cinquième chose, quand nous commençons à comprendre et pratiquer la prière et le jeûne, là, il se met en colère contre nous et contre ses propres agents. Parce qu'il sait que maintenant, nous voulons rentrer en contact avec Dieu lui-même. Ah oui, parce que nous avons commencé à comprendre et pratiquer la prière et le jeûne. Comprendre, pas prier, d'abord comprendre, pratiquer la prière et le jeûne. Parce qu'il sait que c'est celui qui comprend la prière et le jeûne qui fait des percées. Parce qu'il a tout ce qu'on a dit les jours passés, les mois passés, cet homme ou cette femme-là rentre dans cette révélation. Et sa vie de prière devient une vie de prière fructueuse. Sa vie de prière devient une vie qui porte vraiment des résultats. Et en ce moment-là, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère contre ses agents qui n'ont pas pu t'empêcher de prier. Qui, malgré tout, est sorti de cette situation de paresse spirituelle et maintenant tu pries adéquatement. Même si tu ne pries pas longuement, tu as compris les différents aspects de la prière qu'on a donné pendant le mois de janvier et tout. La prière, c'est la prière dans le lieu secret. La prière d'accord, la prière de la foi, et toutes ces prières-là, la prière, donc l'intercession stratégique, donc la prière en langue, bon, on va le voir tout à l'heure là, tu as commencé à comprendre ça et à pratiquer. Alors il se met en colère, il essaie de t'agresser, il essaie de dire que ce n'est pas vrai, que Dieu ne répond pas à la prière. Et si tu continues, tu persévères, tu vas arriver au sixième point. Au sixième point, tu vas commencer à louer Dieu. Ah, la louange l'effraie. La louange effraie Dieu, car le contraire, quand tu loues Dieu, Dieu vient dans ta louange. Je ne parle pas de la louange chantée. Il ne faut pas vous tromper, hein. Je ne parle pas de louange chantée. Je parle de la louange, comme au temps de Josaphat. Il y avait des ennemis devant lui, il a commencé à louer Dieu. Comme au temps de Paul et de Silas. Donc ils étaient en prison, les pieds attachés, les douleurs dans le dos, les mains attachées, ils ont continué à louer Dieu. Je parle de ça. C'est ça que le psaume dit là, Dieu habite dans la louange de son peuple. On n'a pas dit Dieu habite dans les champs. Il n'habite pas dans les champs. Voilà, donc il faut qu'on soit clair. Tu peux chanter du matin au soir, même le petit diablotin ne viendra pas. À plus forte raison Dieu. Il faut bien comprendre les choses. Changer. Et notre louange effraie Satan, le secoue, car il sait que la vraie louange, Dieu habite là-bas. Puisque Dieu habite là-bas, le Dieu qui est en toi, c'est comme s'il se réveillait, comme s'il se mouvait, comme il rentrait en action. Mais là où il y a Dieu, Satan ne peut pas s'approcher. Il s'éloigne, il va faire quoi? Et septième chose, notre prière en esprit, en langue, là, ça l'affole.
ça le tourmente, nous fait fuir loin de sa face. La prière en esprit. Alors, si tu vois le tableau complet, les sept points, les sept choses, tu vas te rendre compte que ça là, si tu ne sais pas ça, la réaction de Satan, le tableau complet, donc le tourment, il le fait fuir loin de toi. Il dit, résiste-le, fuira loin de toi. Tu ne peux pas le résister si les six choses là, tu ne les pratiques pas. On ne s'arrête pas, Satan n'a pas de muscles pour dire, je te résiste au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont des idées comme ça. Non, on résiste à Satan en se soumettant à Dieu. Comment on se soumet à Dieu? En faisant les six choses là, simplement. Donc tu vois, ça te permet d'aller de l'avant. Sachant que c'est cette chose là, si tu ne les prends pas au sérieux, on a fini, toi tu n'as pas fait le contraire. Sache que même si Moïse apparaît ici, il pose les mains sur toi, rien ne va aller.